Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur Book of Fours. On continue notre petite aventure. On est au début d'une nouvelle journée. On a avancé un petit peu avec Shobiti pour faire quelques petits essais, quelques tests. On a réussi à améliorer quelques compétences. On a un health amélioré, un RF doublement amélioré maintenant. Donc la partie se passe plutôt bien. On a ouvert des trucs. Tu peux parler fort, Shobiti, si tu veux que les gens t'entendent. On a ouvert des pièces aussi en haut. On a ouvert des pièces, on a ouvert cette pièce là je crois. Depuis la dernière fois. La galerie. La galerie. Il y a un bateau dans la galerie. On a trouvé aussi un workbench. Du coup, on venait de rater ça parce que j'avais oublié de mettre pause et qu'au tout dernier moment de mettre le souvenir, la journée est passée et le souvenir a disparu alors qu'il était dans mes mains. Donc on va le refaire, je pense. Il va nous falloir... Alors ça, c'était un film. Hein. C'est un film. C'est un film à 10 de forge. Et donc je pense qu'il nous faut un souvenir de type forge pour le faire. Alors déjà, faut qu'on repose mettre... On va commencer par ça. Notre petite Engrao. On est au tout début de la journée. C'est parti. Hop là. On est au tout début de la journée, mais en fait, on n'était pas en pause. Oh là là, j'ai du mal. Comment se fait-il qu'on n'était pas en pause? Je ne sais pas. C'est grave, hein. Juste. Histoire de gagner des secondes, j'ai dû appuyer un moment sur un bouton et voilà. Donc, on récupère. C'est gros moon. Peut-être Hermès qui a appuyé sur le bouton. On récupère ça. Wiz, le Engrao. Et on est parti pour dormir un peu. T'exagères le chat. On pourrait se recrafter du Engrao tant qu'on y est. Hop, voilà, un petit Engrao. Ça, c'est parti. Et... il va nous falloir du coup le metal plus, hein, c'est 3 ou 2, je sais plus. C'est 3. Notre meilleur skill de type forge. Ça doit être 3 aussi, je pense. Ouais, on était à 9, il nous manquait 1. C'est ça, on était à 9, parce que du coup, vu que c'est là, on peut pas mettre. On peut mettre une memory, on peut mettre une deuxième memory. Donc il nous faut 2 memories de type forge. Un skill, on peut pas mettre d'outils. Bah c'est parti, il nous faut 2 mémories de type forge. Qu'est-ce qu'on a comme mémorie de type forge? Là on a un. Il me semblait que je l'avais effacé ça. Hop. Sky, Moss, Révélation. Là on a un, là on a deux. Un petit forcé. Déjà on a quoi là? Winter et Confounding Parable, on a plein de leçons à faire. On a aussi popé un Gale, avec 3 de Earth et 3 de Sky. Et j'ai déjà fait des essais, enfin j'ai des calculs, on peut pas atteindre 9 malheureusement de Sky, même avec un A3 pour le moment. Donc on parlera après de ce qu'on en fera. Donc déjà un Insight. Voilà. On va mettre quoi pour le lire? Un whiz de base, allez c'est parti. Et il nous en faut un deuxième, de préférence à deux, ce serait cool, mais je suis pas sûr qu'on ait. Non, je suis pas sûr qu'on ait. Non, ok, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse. On avait un par là, là. À droite. Là. Il va falloir qu'on fasse avec ce qu'on a. C'est parti. Donc dans l'idéal, est-ce qu'on a un autre truc de... Ah merde, putain, j'aurais pas dû utiliser le chat, c'est l'autre de type forge. Bon, on va reposer celui-là, c'est pas grave. J'ai eu un doute au moment où je l'ai fait et c'était un échec. Donc là, on va pouvoir refaire ça. Maintenant, nos leçons. Donc,
On a Link of Power qu'on peut passer assez facilement normalement, puisqu'il me semble on a tout ce qu'il faut. Alors il nous faut du rose ou du scale, ici il nous faut du earth ou du moon, et ici il nous faut du moon. Donc lui avec le moon, lui avec le earth, lui avec le rose. C'est parti. Et il nous faut une memory. Alors on a celle-là qui est de type scale, on va la prendre, on va monter ce niveau-là. Ensuite ici, le manganèse il est level 3, donc il va nous falloir 2 mémories pour le monter au level 4, non 3 mémories pour le monter au level 4, 1 pour le level 2, 2 pour le level 3, 3 pour le level 4, c'est ça. Donc il nous faudrait 3 de type moon ou earth, sachant qu'on a déjà là un type moon, là on a un type earth, mais on va l'utiliser pour autre chose. En fait pendant que je faisais mes essais pour voir si je pouvais atteindre 9 de earth, je me suis dit que je pouvais pas atteindre 9 de Hertz pour un mec là parce que je peux pas utiliser de skill. Par contre on peut complètement faire de la musique avec, parce que c'est Sky. Et ça c'est beau. Et là par contre on peut atteindre des chiffres assez intéressants. Et notamment on peut crafter de la musique qui de mémoire est très forte. C'est 6, parfait. Voilà, là on est à 11. On peut faire Ascendant Harmony, qui est un truc de type musique. Et en fait, l'avantage des instruments, on avait vu en fait quand on est à en dessous de 10, là, il nous dit Use an instrument. Et je pensais qu'il fallait trouver un endroit où mettre un instrument, une carte instrument. Et en fait, non, c'est utiliser un instrument pour le craft. Et là du coup... Là c'est parce que t'es dans le piano du coup. C'est ça, là c'est parce que je suis dans un instrument. J'utilise l'instrument comme craft. Et du coup là, je peux crafter le truc de level 10. Et ce qui est cool, c'est que j'ai rien à mettre en plus en fait. D'ailleurs en vrai je suis à 11, donc j'ai même pas forcément besoin de ça. Je sais pas, il faudrait un sky à 2 et ça serait suffisant. Donc je pense qu'on va peut-être se faire un petit sky à 2. Du sky à 2. Bah ouais on en a, ça c'est sûr. Je crois qu'il y a le storm qui doit être dans un coin là. Voilà. On va se faire un petit sky à 2 et je pense que du coup on va utiliser le earth là. Alors on va utiliser le petit sky. C'est parti. Et maintenant le earth ici est à 2 et là il est à 2. Ok, donc pas gênant. Donc du coup l'idée c'est aujourd'hui on apprend les leçons. Bah ouais, on va apprendre les leçons et on va essayer de faire monter Mrs. Skye à 7 aussi. Pour qu'elle puisse ouvrir là. Ou à 8, à 8. Mm. Histoire de pas gâcher ce souvenir. Toc toc toc. L'édict martial, il est à combien? Il est à 1, donc il est plus facile à faire. On va pouvoir le faire direct avec ce souvenir là. Ah mais on a lui à 2. Pas grave. On va l'utiliser pour nos niveaux. On va lancer tout de suite le craft parce que ça va prendre du temps. Un memory et un skill. Voilà. Et là on fait ce truc là. On est à 10. C'est parti. Ça prend une 30, donc autant le lancer tôt. On enlève la pause. On va laisser un petit peu tout ça se dépiler. D'ailleurs, il est pas un peu fort le son. Il est peut-être un peu fort le son, ouais, surtout qu'on est censé être en silence là. Ben, ouais. Comment ça se fait? Il est remonté un peu. Ok, pourquoi pas. Mais surtout qu'on n'entend rien. Ouais, c'est étrange. Parce qu'il y a comme son qui passe là. Je vais baisser encore. Ah, c'est peut-être le Wither. Ambiance, on va tout mettre à 50. Voilà, c'est mieux. C'est vrai que... vu que ça avait monté d'un coup, là... Ok, la musique est démarrée, très bien. Pendant ce temps-là, ça c'est fait. On a notre level 2, donc on va lancer... Bah rien puisqu'on garde notre gale pour le moment.
Ici, Mrs. Kyle est prête à nous aider. Alors, on va monter son Earth. Son Earth. Donc, on va collaborer. Elle est montée à 4 déjà. Ensuite, on va la monter assez facilement à 6 avec l'un des deux, là. Et il nous faudrait une petite tasse de coco. Alors, on a ça et le chocolat. Est-ce qu'il nous reste du chocolat? Il ne reste pas de chocolat de prêt, on dirait. En tout cas, pas dans la cuisine. Il y en a, là. On va le mettre ici, comme ça, au moins, on l'aura sous la main si on veut le préparer. Je suis quasiment sûr qu'il y en a quelque part sur une table ou... quelque part. Catwink, ici, on va le ranger. Là, voilà, il y en a un là. Et du coup, c'est 1. Ok. Je crois qu'en grêle, il n'y a rien. Hein. Si on a un 9. Non, en grêle, il n'y avait rien, c'est ça. Et en haut, ce qu'on a ouvert ici, de la forge, lanterne Winter. Ce sera atteignable demain, je pense, sans problème. Il faut qu'on fabrique des souvenirs. Donc, il nous faut pour celui-là. Ink of Power. Il va falloir qu'on regarde ce qu'on peut faire avec celle-là. Tac, tac, tac. T'es où? Magnanimous Mystery. C'est ça. Il nous en faut 3. Et World. C'est facile, en fait. C'est autant que le nombre qui est actuellement. Ouais, je sais. Ça. Et ici, il en faut 1, et du coup, on est en train de le faire. Donc, si on veut faire d'après, on verra. On va faire Earth ou Moon. Alors, j'en profite pour remercier le viewer qui m'a donné une astuce assez sympathique. C'est-à-dire que dans le lit, j'avais pas regardé, mais dans le petit texte du lit, ça disait que si on utilisait un souvenir la nuit tombée, on peut en rêver. Et en l'occurrence, si on utilise un souvenir dans le lit à la nuit tombée, et ben on conserve le souvenir pour le jour d'après. Donc on peut en fait conserver un souvenir de jour en jour comme ça, ce qui est bien pratique. Il m'a également signalé que là où l'endroit devant où notre inventaire, les objets de notre inventaire arrivaient quand il était plein, puisqu'on peut stocker que 5, et des fois vous vous souvenez, ça apporte, ça met un objet ici quand on est à 5. Et ben en fait ça, c'est pas con, c'est qu'on peut l'utiliser comme stockage garbage si on veut, il y a plein de place. Donc tous les trucs à la con, type les pierres et tout, je pourrais les mettre là. Quand ça commencerait à être un peu plein. C'est garbage le mot que je cherchais tout à l'heure. C'est garbage le mot que tu cherchais, et bah voilà, c'est cadeau. Je sais pas ce que j'ai dit à la place, mais... Je ne sais pas non plus. Alors là, on a un petit moon. Donc normalement, on utilise déjà ce bureau, ce bureau, ce bureau. T'as trop de bureaux ! On va aller faire ça ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser ici ? Un health. On va utiliser un health. Le niveau 1, c'est parfait. Et on va en faire un autre. Donc ça, on en a déjà un en cours. Faut qu'on fasse gaffe à ce qui se marche pas dessus. Il faut du Earth ou du Moon. Donc Cheerful Ditty, on pourra le faire. C'est parti. En avant. En avant, en avant. Et pendant que j'y suis, ça, on va le mettre à la cuisine. Est-ce qu'on a une petite place? Ouais, sur la table. Non. Je voulais le poser sur la table. Pas le poser sur la table ? Non, j'avais l'impression que ça c'était un objet à ramasser, mais non, en fait, pas du tout. Ça non plus. Peut-être ici. Non. Ah, tant pis, on va le poser à côté. Oh, ça c'est une table, te faut pas de moi. Voilà. Au moins on le retrouvera plus facilement. Alors ici, elle là. Il faut qu'on discute avec elle pour la monter à 6, parfait. Ça, c'est un Maze Crazed Room. Ok. Et là, on a terminé plein de choses. Donc toi, t'es reposé, parfait. Ici, on a crafté notre Engrao, nickel. On va la remettre à son endroit habituel. T'as du tèche, là que tu peux C'est du café, ça. Oui, mais tu peux le ranger dans le... Le ranger, si tu veux. Je sais qu'il est là, en fait, depuis le tout début, donc c'est pour ça que je le touche pas, mais je peux le ranger.
Ici, un souvenir. Ici, un souvenir. Et ici, un souvenir. Ok, donc on attend que le Melted se remette bien. On a notre souvenir de type forge, notre autre souvenir de type forge, et on a un souvenir de type earth, ce qui va nous permettre de travailler sur, il est où ? Édict martial, c'est ça. Donc il faut juste qu'on termine ça. C'est parti. En fait, ce qui est embêtant, c'est que à chaque fois je le retrais dans le mauvais sens en réduisant la fenêtre. Je manque un peu de précision. Alors, ça y est. On va pouvoir attaquer le film. Donc, un film, un metal. Donc, normalement, le metal, on est d'accord que le plus élevé... Il y a celui-là qui a 3, il y a celui-là qui a 3, il y a Space on Slavour, donc on va mettre celui-là. On met ça, et on met ça, et on est à 9. Donc on va le lancer, et on va direct relancer un Foresight. On va commencer à être un petit peu juste en... En truc à faire, là. Foresight, il est là, je crois, c'est ça. On va être un petit peu juste en soul là. On va utiliser le Thrist. Donc le Thrist est type Moon. Et on est en train de travailler sur le R. C'est bon. Donc le Moon on le fera sans doute pas aujourd'hui. Donc c'est parti. Oula, il y a le chat qui fait des bêtises. Lécher la glace. Sur la table basse en train de lécher la glace, c'est pas bien ça. C'est pas un gentil chat, ça. Alors ici, du coup, ça nous a permis de créer Ascendant Harmony, et ce qui est bien avec Ascendant Harmony, c'est qu'il est de niveau 4. Donc normalement, il devrait nous permettre d'ouvrir ce petit truc, où il fallait un souvenir pour pouvoir le faire, qui n'est pas de type Wither, un souvenir au moins de 3 qui n'est pas de type Wither. Et ça, j'avoue que je ne savais pas trop comment le faire avant que je découvre qu'on pouvait faire des songs, enfin que je découvre, que je fasse des essais, et que... Je vois qu'on pouvait faire des songs. Quand j'ai essayé de crafter un peu tout ce que je pouvais pour voir ce que ça donnait, je suis tombé là-dessus. Et en plus, il a Evolve via Birdsong. Alors ça, pour le coup, j'ai pas... C'est assez bizarre parce que du coup, c'est un Memory qui a Evolve via Birdsong. Alors je crois que la plupart des musiques longs, des songs de long. Mais je sais pas comment s'en servir en fait. Parce que normalement, on s'en sert. Alors peut-être que ce que je peux l'utiliser comme support plutôt que un instrument. Mais bon, c'est pas très grave. Pour le moment, on va s'en servir ici. Et on va lancer l'ouverture de cette salle. Comme ça, quand Mrs. Kite sera prête, on pourra faire la sienne. Alors, ici on récupère elle, ici on récupère un petit souvenir, donc ça c'était un song. Ouais non, il a pas Evolve via Birdsong, donc ça doit être celui-là qui est spécial. On va lui filer le petit plat pour passer à 7, c'est parti. Et du coup, là on a récupéré également un souvenir. Et on va pouvoir travailler sur bah, quasiment celui-là en vrai. Hein. On a ouais les trois souvenirs qu'il nous faut. On a un truc du bon niveau, on a le else là qui marche. Donc on va faire celui-là. On fera l'édict martial demain. C'est parti. Pourrait le faire, non. C'est du Moon et nous, on a... Là, on a du Edge, non. On peut pas le faire. On pourra lire des livres. On pourra cataloguer un peu, ouais. On a pas mal à cataloguer, mine de rien. Plein de livres jaunes à lire, exactement.
Alors, faut pas qu'on oublie de regarder là aussi, parce qu'il va nous tirer un truc au sort, et il faut pas qu'on loupe le coche. Hop, ça c'est fait, on a le niveau d'après, et là, elle est normalement à 7, c'est ça. On va lui filer la petite tasse. Et elle va passer au niveau 8 pour ouvrir la salle. Ici, c'est pas encore fait. Alors, un escalier ténébreux avec un truc de taupe, des chaînes. Très bien. The Velvet. Et il y a trois livres. Et ça nous a du coup ouvert le début du sous-sol. Non, même pas encore. Vache, 11. Mais du coup, Waouh! j'ai pas vu comment t'as fait pour l'ouvrir. Alors, comment j'ai fait pour l'ouvrir? Oui, t'es allé chercher le chat. C'était avec le souvenir qu'on a crafté là. Qui en fait est de type Sky 4. Et c'est fort pratique, du coup. Alors, des fois je peux les coller, des fois non. Voilà, parfait. On va dire que c'est bon. Je suis toujours en pause, ouais, c'est bon. Alors, ici, on a notre souvenir, ce qui veut dire qu'on doit être quasiment. Ouais, on a notre tirage là. Qu'est-ce qu'on a eu? Une rélevante furniture. Ok. Et Ubisunt. Donc ça, avec un peu de bol, ça va passer. Mais sinon, tant pis. Et donc, il faut qu'on trouve une fourniture de type forge. Alors, attendez, c'est quoi qu'il dit? Furniture or other comfort. Ok. Comfort, très bien. Donc on va prendre forge. Qu'est-ce qui clignote en forge? Des bougies, des pierres, l'alcool. C'est considéré comme un confort, ça, non? Ça, c'est quoi? C'est pas un tabouret? Non. Oui, mais c'est un confort. Si, c'est un confort. Bah écoutez, parfait. Un saut de cendre. C'est confortable, un saut de cendre. Tout à fait. Pas dire le contraire. Bah, du coup, on va le mettre. Hop, voilà. Pas s'il sera détruit, je pense pas, c'est le seau, c'est pas là. Hop, comme ça, on a ce qu'il faut. Et elle, maintenant prête à nous ouvrir notre salle. Elle a 8, et il faut 8, parfait. En avant pour ouvrir la pièce remplie de fils et de câbles. Du coup, on n'a pas eu besoin de notre souvenir, on le gardera peut-être pour demain. Et on a globalement, donc ça on va le réussir. Normalement, c'est pas un problème. Du coup, on va pouvoir cataloguer deux livres. On va cataloguer des livrets. Parti. Ici. Voilà, on catalogue deux livres pour Chobiti. Et ça, level 4, ça fait quoi? 4 de Hertz, 5 de Moon. Et on l'avait à Tune, à rien, tiens. Est-ce qu'on peut monter un truc intéressant, genre en Usherie? 1, 2, 3, ah oui. On pourrait le mettre là, alors du coup, c'est presque dommage de l'avoir monté level 4. Qu'est-ce qu'on a d'autre en Usherie? Un qui est niveau 2, 2 qui sont niveau 2, 3 qui sont niveau 2 avec le Ink of Power. Ouais, on va garder celui-là pour le niveau 4. Allez, on n'est pas pressé. Et ici, on a réussi à apprendre, en apprendre plus sur notre livre, sur notre film. Ah bah, on va pouvoir monter Clockwork on Clockwork et c'est un Foresight. On va reprendre notre petit carnet.
Alors, comment il s'appelait ce film? Admonitory Automata Project. Ah. Automata. Foresight. Il est de type Forge 2, c'est ça? Forge 2 et Lanterne. Okay. Bah, du coup, ça nous a cramé notre Foresight existant, mais c'est pas très grave. Bon. Parfait. On va pouvoir travailler sur ça demain. Ça, c'est de type quoi? Ishtari et Skolekozokofi. Donc, Ishtari, c'est là. On est pas mal avancé en Ishtari, déjà. Et Skolekozofofi aussi. Alors, du coup, j'en profite, je crois que je l'ai pas dit encore, mais Shobiti a noté qu'il y avait des petites flèches, des petites lignes pointillées dans l'arbre. Et en fait, et ben ça explique pourquoi des fois on a des cartes qui sont débloquées devant. Je pensais que c'était parce qu'on avait potentiellement un level 4 à mettre, donc ça débloquait le level 4. Mais en fait, pas du tout. En fait, c'est des liens entre les arbres. Et du coup, si on, par exemple, si on débloque ce truc-là, ben ça nous débloque cette case-là aussi. Si on débloque cette case-là, ça nous débloque cette case-là. Donc en fait, ça nous permet de faire des sauts éventuellement. Alors il faut toujours le skill de la bonne compétence et du bon niveau. Mais ça peut nous permettre de faire des sauts. Et typiquement, là, si on avance un tout petit peu le Skolegosophy, on peut carrément faire un énorme bond dans Nyctodromie. Donc c'est assez intéressant. De la même manière, si on monte un peu le Shuri, on peut aller là. Donc du coup, alors après, on a quand même intérêt éventuellement à remplir toutes les cases, parce que ça nous fait plus d'aspects. Mais ça peut nous permettre aussi de sauter plus vite pour atteindre plus vite le maximum. Si pour l'instant, je ne sais pas ce que ça fait d'atteindre le maximum. Et du coup, on a un Foresight en plus qui ne va pas rentrer. Trop petite ta bibliothèque. Ouais, bah, je crois qu'il va être temps de se dire qu'il y a des trucs qu'on va mettre de côté parce qu'on en a largement assez. Mais là, à côté du projecteur, t'as pas de place à côté du projecteur pour arranger? Je pensais surtout tout ranger en vrac, mais... Oui, non, mais je me disais... En l'occurrence, non, j'ai pas de place à côté du projecteur. C'est trop nul, on peut même pas ranger les films. Et non, on peut pas ranger les films. Quel manque de goût. Bon, bah, une première journée plutôt productive. On a ouvert deux salles. On a masterisé un truc, on va cataloguer un peu. Ouais. Alors, hop. Alors, ce livre, hein, c'est 6 de rose. C'est carrément faisable. Ouais. Et celui-là, c'est 10 de mousse. C'est faisable aussi, je pense. Bien. On commence à avoir du mousse. Là, on a 2 de mousse avec celui-là. Et je crois qu'on a quelques skills. Ils sont assez pertinents en Moss. Je suis pas sûr, hein. Peut-être pas. Non, pour moi, Moss, on a encore un peu 10, ça va être juste, je pense. Ouais, 10, c'est peut-être compliqué. Ouais, ouais, on a pas l'air d'aller un skill à 2, mais si je le mets, du coup. Ouais, c'est le plus élevé qu'on a, ouais, donc non, 10, c'est un peu tendu. On va ranger le 10. 14, 10, ouais. C'est un petit peu tendu, c'est pas grave. Ça nous en fait au moins un. Et après, demain, j'essaierai peut-être de trouver quelqu'un pour faire ça. Là. On est d'accord que notre ami Mr. Sky, il est pas Moon, il est Winter et Sky, je crois. C'est ça, ouais, donc il est pas Moon, donc si on veut faire 7 de Moon, on partirait de 0. La 11, c'est compliqué. Le 9 là est carrément atteignable maintenant qu'on peut faire des souvenirs à 4 gratos en plus. Alors il y a certainement moyen d'en faire d'autres, hein, j'ai pas tout essayé. Ça c'est faisable.
On pourra peut-être essayer de se faire des salles demain. Et t'avais dit qu'il fallait essayer d'engager le forgeron pour voir. Ouais, pour voir ce qu'il avait. Bah là, c'est de la forge, c'est un peu pour ça que je pensais. Je sais qu'il a forge et edge. Je pense qu'il a deux de forge et un edge. Mais je suis pas sûr à 100%. Du coup, on va attendre que la nuit tombe et on va mettre notre petit souvenir de côté. Ça peut servir, on verra. Toujours ça de prix. Just versus. Alors, ça a ouvert la pièce. Qu'est-ce qu'on a dans cette pièce? C'est un dortoir. De nouveau avec des cloches. Il n'y a que dalle. Ah si, il y a des livres. Le quartier des servantes, ok. Des livres. Pff, des lits, pardon, excusez-moi. Et c'est tout. Ah, ici, là, il y a des clean linen. Ok, très bien. Les placards, il... Les placards, il... Des paquets. Non, il n'y a rien, c'est juste des placards. Au-dessus du placard. Ah, au-dessus du placard, d'accord. Il y a des paquets au-dessus du placard. Doucement, doucement. Chobiti et les paquets, attention. C'est l'attaque cardiaque. Et ça, du coup, ouais, j'ai regardé parce que je comprenais vraiment pas comment faire pour laver les draps. Et en fait, pour laver les draps, on peut les donner à la taverne et ça coûte un shilling. Alors, un shilling, c'est énorme, hein, c'est 12 pence. Juste pour laver les draps qui nous permettent de dormir une nuit. Donc, je pense qu'ils ont un peu craqué, d'ailleurs, c'est globalement de l'avis général sur cette fonctionnalité. Donc, on ne va pas laver nos draps. Je sais plus si je l'avais déjà dit, mais je crois pas en live. Hop là, un petit coup d'eau. Passons vitesse 4. Voilà, la nuit est tombée. On va pouvoir mettre notre souvenir ici. Et donc du coup, en gros, il va répéter 30 secondes jusqu'à ce que ce soit de nouveau le jour. Après quoi, il reviendra. Ici, Skyknock et Moon Edge, ok. Hop là. Et là, on récupère notre foresight, qui nous servira ou pas, on verra. On va aller papoter avec ce monsieur, du coup. Il lui faut un shilling. Et tu veux, t'acceptes de payer le shilling pour ça, mais pas pour laver tes draps. Pour laver mes draps, qui vont me permettre de reposer un skill pendant 1 minute 30, alors que je peux le reposer pour 2 pence en 60 secondes. Non. Que ça, je... Tac, tac, tac. Donc le forge, ça va être là. On va ouvrir celle-là. C'est un escalier, ça sera fait. Il y a l'air d'avoir un hôtel, peut-être, on verra. Est-ce qu'on tente d'aller par la 9 de Sky? Il faudrait qu'on refasse notre souvenir de type Ascendant Memory. Ce qui est cool, hein, parce qu'il est, il est gratuit au final, hein, ce truc. Hein. Il est totalement gratuit quoi. Enfin, il nous faudrait une mémoire quoi. Mais on va attendre de voir le temps du jour. Avec un peu de bol, ça sera un truc utile. La grêle. Ben voilà, un petit truc à 3. Ah, 3 de Edge. Ça pourrait peut-être nous être utile parce qu'il est de type Edge. Est-ce qu'il y a des trucs de Edge intéressants qui, genre, pas de type Forge? Non. 9, non. Là, on pourrait faire du forge. Ok, c'est pas particulièrement intéressant. Et en bas, où ça? Là. Là? Bah non, je vais cliquer là. Ça, c'est le moon et le nectar, ça ne change pas. D'ailleurs, on va voir si on peut pas embaucher quelqu'un. Hop, un petit penny, on va voir qui est là. Eh ouais, on embauche deux personnes aujourd'hui, Chobiti. On claque la thune. Du coup, on a déjà un souvenir de type forge de fait. Et ça ne va nous servir à rien. Bon, on va attendre de voir si jamais c'est un mec de type edge qu'on peut recruter. Est-ce qu'on investit 24? Oh, ça vaut même pas le coup, franchement. Ça vaudra même pas le coup. Donc je vais utiliser ce souvenir pour... Je vais garder ce souvenir de côté. On va en fabriquer un de type Sky 2, c'est largement suffisant. On va monter nos leçons. Ne soyons pas gourmands. Sky 2, Sky 2, voilà. C'est parti. Alors, avec quoi on va faire ça?
Srist, c'est Moon et Mouse, et là on a besoin de Moon pour celui-là. Potentiellement 2, donc on va pas utiliser ça. Et là, Sky et Nock, on a besoin de Shaft et d'un Faust. Toi, on va pas se servir de toi, donc c'est parti. On va utiliser le Faust plus pour faire le souvenir. Ok. Alors après, si on lui fait ce souvenir plus, il faut qu'on papote avec lui. Parce que c'est lui qui est de type Sky. Donc c'est lui qui va utiliser le souvenir de type Sky. Hop là. Alors ici, on récupère le monsieur. C'est parti. Donc lui, on va discuter direct avec un Metal. Tu notes dans ton carnet. Je note quoi dans mon carnet? Ah oui, ce qu'il a? Il est 2. Il est 2 et 2, c'est pas mal 2 et 2. Alors, forgeron. Ici. Edge 2. Forge 2. Voilà. Tac tac tac, c'est parti, on va le passer à 5, on lui mettra le souvenir et il sera large. Et lui du coup, bah, il va falloir qu'on papote également. On n'a pas encore vu ce qu'il y avait là. Alors si ce qu'on peut faire, c'est garder le Faust plus pour lui et se crafter le souvenir avec le Hail. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non. Je sais pas. Allez, si. On va faire ça. Ça nous fera gagner un petit peu de temps. Voilà, comme ça on est à 10 et on lance ce truc-là. Surtout que ça prend 1 minute 30 quand même à faire. Hein. Donc ça, ça va nous permettre d'avoir un souvenir Sky de 4 pour aller avec lui. Et il nous faudrait des souvenirs de type Sky pour nos leçons, parce que Shobiti veut qu'on travaille sur nos leçons. Alors, qu'est-ce qu'on a comme Sky? Alors c'est Sky ou Nock. Donc là, on a un Nock. Avec quoi on le lit? Avec un else. Et actuellement, on... Attends, faut que je m'habitue, faut appuyer là-dessus. Actuellement, on est niveau 1, donc il nous en faut 1. Et après, on prendra niveau 2, donc il nous en faut 2. Donc il nous en faut 3 en tout. Alors, on en a un autre, je crois, ouais, un Sky. Alors, avec quoi on va le lire? Shapt, on en a besoin. Parce qu'il est de type Nock, donc il nous le faut pour là. Faust, on en a besoin. Il faudra qu'on récupère un trick. On n'aura pas assez, vu que Faust, on va l'utiliser pour le Coffin Maker. Alors, Whist nous sert à rien aujourd'hui. On va utiliser Whist. On va y faire une sieste avec Shapt. C'est parti. Alors, toi, tu y retournes et on te donne ça. Tu passes à 7. Bonne chose à faire. Normalement, c'est le REB qui devrait nous permettre de lire le dernier livre. Ok, là on a un Sky. C'est parti. Récupérer. J'arrive pas à cliquer. Oui, mais c'est pas grave, je vais mettre ça là. Ça, ça, et il nous faut un effort qui va bien. Celui-là, c'est parti. Du coup, on a un souvenir en cours ici. Un ici pour le Coffin Maker, un autre là, de type. Sky aussi, deux types Sky et on est bon, on devrait être bon.
on devrait être bon. Pour celui-là, en tout cas. Alors, est-ce qu'on a assez pour le reste? Pas sûr. Si jamais il nous reste des choses, on verra pour lire des livres. Allez, on ouvre l'escalier et on commence à discuter avec notre ami. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un musicien. Il est de type nectar. Il est de type nectar. Est-ce que on a un nectar? On a deux là de nectar. Il a combien de nectar? On ne sait pas. Ah oui. On sait qu'il va générer du nectar. En général, c'est entre 2 et 4 de ce que j'ai pu voir. S'il a 2, c'est un peu chiant, mais je crois pas qu'on ait même beaucoup de souvenirs. Après, on va monter que à 7, ouais. S'il a 4, ça se fait. S'il a moins que ça... Je crois pas qu'on ait de Nectar 2, encore. Non, on n'a pas de Nectar 2, par contre, on a plein de trucs de bouffe de type Nectar à lui filer, quoi. Ouais, quand même plein de bouffe de type Nectar... pourra lui donner, quoi. Bah, on va tenter, je pense. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. De toute façon, pour le moment, on travaille sur le Coffin Maker. C'est déjà un bon début. Mais c'est vrai que ce serait intéressant de pouvoir ouvrir un peu cette zone-là. Là. Ça fait un moment qu'elle nous traîne dans les pattes, là. Hop là. Ça, c'est fait. Et là, on continue de papoter. Alors, on n'a pas encore notre souvenir pour lui. Donc, on va engager le musicien. Hop là, ici. On a fait un souvenir. Un autre souvenir, parfait. On va pouvoir bah, ne pas faire notre leçon parce qu'on n'a pas l'effort qu'il faut. Il n'est pas encore fini sa sieste. On va attendre qu'il ait fini sa sieste. Alors toi, du coup t'as combien? Il a 4. Quoi? Il a 4. Ah oui, il a 4. On va le passer à 6, et après, on veut 7. Est-ce qu'on n'aurait pas un outil de type nectar dans l'idéal? Un outil de type nectar, là, ça brille. Tu peux pas lui donner des plantes ou une connerie? Non, voilà, on va lui filer le bronze knife, parfait. Bah, mais c'est pas consommé si on lui donne ça. Oui, mais t'en as plein des plantes. Parce qu'on t'en a plein, que t'as plein de plantes, qu'elle a plein de... Mais oui, je veux pas, qu'est-ce que tu veux, il faut d'une plante. Tu peux pas donner de fleurs comme ça... cadeau. Tous ces trucs là, certes j'en ai plein, mais je sais pas les générer, donc j'ai tout intérêt à les garder pour un moment où j'en ai vraiment besoin. Là, quand on sera rendu à 15 en hectare ici, je serai content d'avoir gardé mon machin qui donne 2, quoi. Oui, mais je pensais que t'as peut-être un truc qui donne 1. C'est bien au même. Ok, on a notre ascendant harmonie. Et on a récupéré ça. Donc déjà avec ça, on va pouvoir faire notre petite leçon. Hop. Hop. Mets ça. Et on est parti. Ascendant Harmony, on va s'en servir avec le Coffin Maker. Et lui, il en est où de sa salle, là, dans 2 secondes? Alors, à quoi ça ressemble? Il y a un hôtel. The Watchman. Evolve via Illumination. Que c'est le même que celui qui avait en dessous, non? Non, c'était Oruk Mastery. Makist, je ne sais plus. Hop là! Et donc, on a dit le couteau parce que on a tout intérêt à utiliser des trucs gratos. «
aussi longtemps qu'on le souhaite et qu'on le veut et qu'on le peut. Donc après lui, il va être 3 plus 4, 7. Et on voudrait un 9. Donc 9, ça doit être jouable. On a ça là, qui va permettre de monter à 8, c'est un outil. Et je crois qu'on a une petite boisson ou un truc à la con qui doit pouvoir permettre ça, non? Ah. Mince. Statuette de pigeon. La statuette de pigeon, ouais, mais je pense pas qu'il va pouvoir utiliser la statuette de pigeon. C'est pas du wood. Non, c'est une singe. Alors j'avais fait le calcul. Ah oui, c'est ça, on a un thé là. On peut préparer un thé éventuellement. Préparer un petit thé. Ah, pas ici, je crois qu'ici on peut pas. On peut le faire ici. On va préparer le thé. Et ce serait pas mal, parce qu'il y a quand même pas mal de choses de type Sky. On va voir si on peut pas recommander un thé. Il s'appelait comment ce thé? Ah, excusez-moi, je l'ai mal. Je sais pas savoir. On verra quand il sera fait, c'est pas grave. Mais il s'appelle Vel de côté. Ah oui, c'est un lapsin de Souchon. Bien vu, il est encore là. Chobiti, elle a l'œil quand elle veut. Manger! Quand il faut manger. Alors, avec qui on commande un Souchong? C'est pas celui-là. C'était tu. L'absincti. Petite encre. Hop. Et on veut un l'absincti. Voilà, c'est parti. Là, c'est fait. On a déjà mangé Chobiti ce soir. Oh là là. Du coup, ce truc-là, 4 de Nox, c'est pas mal. Hein. 3 de Sky. On peut le mettre quelque part. Mutastrie, il nous faut un level 4, donc ça marche pas. Et en Scolégosophie, par contre... Non, pareil, il nous faut un level 4. Dommage, dommage. Dommage. Yep, faudra lire d'autres livres. Ok, on va récupérer lui. On va pouvoir ouvrir le puits. Qui devra nous permettre de faire de l'eau. Il sera temps qu'on puisse avoir de l'eau dans notre machin. Et donc toi, on te met ça. Hop. Et il va nous rester de quoi ouvrir un ou deux paquets. On va ouvrir un petit paquet. Hop. Je sais que Chobiti aime bien les paquets. Ne me dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. On va aller travailler un peu à la taverne. Puisqu'on a dépensé des sous. Alors ici, on a notre commande qui est prête. Faut qu'on l'envoie. Et notre petit thé qui est prêt et qui donne 2 de forge. Ok, on va le servir. Et ici, on envoie ça. Avec 12 balles. Et oui, et je suis en train de me demander... J'avais commandé du chocolat, mais je suis en train de me dire si j'ai peut-être jamais envoyé le truc, en fait. On va vérifier. Ouais, 36, hein. C'est pour ça qu'il est jamais arrivé le chocolat, parce qu'on l'a jamais commandé. Ah non, j'ai pas commandé ton chocolat, c'est la panique dès que j'essaie de commander un truc, dès que j'essaie de dépenser des sous. Mais si, on a 240, là. Je crois que tu parles de manière tellement aiguë que le micro ne te capte pas. Alors toi du coup, t'es à 7, on a dit, on te met ça. Hop.
Et après, on te filera ta tasse de thé. Bon, on va ouvrir un paquet. Hein. T'as des trucs bien dedans. Oui. Cola. Chocolat. Ça serait rigolo, hein, du chocolat. 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 Et eh ben non, on va regarder le puits avant. Alors le puits. Bah il y a un puits. Alors on peut tirer de l'eau ou jeter quelque chose dedans. Donc normalement c'est comme la mer, on peut jeter des trucs et ça nous génère un souvenir. On a un truc bien pourrave à jeter. Un bout de granit là, à la con. Juste pour que je puisse noter. Et parce que tu sais les générer, les blocs de granit ? Oui. Exactement, c'est bien pour ça que je le jette. Peu question. Alors, j'avais marqué l'os ici. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? Renounce. Memory sound. D'accord, c'est vraiment de la tube. Bon, on va le noter quand même au cas où. Plush, plush, plush. Sound, c'est Earth. Plush, plush, plush. Bon, pour le coup, ça vaut pas trop le coup de jeter un truc. On a trouvé une bouteille de vin. Ouais, c'est très bien, un petit domaine Raveline des familles. Je vais la poser par là. À côté de l'autre domaine Raveline. Non, c'est pas un domaine Raveline, ça. C'est un Chose Jenning, quand même. Tu vois bien la différence de bouteille. Ça saute aux yeux. Il y a écrit DR. Aïe, aïe, aïe. Bah, du coup, avec notre dernier truc... On va ouvrir l'autre colis, je pense. C'est parti. Hop là. Là, si on veut tirer de l'eau, il faut un... On peut jeter de l'argent. Ah non, il faut vraiment un penny, du coup. Mais je peux pas faire de monnaie sur un penny, c'est con. Bah, je sais pas, peut-être que ça nous donne un meilleur souvenir. Tu me crois que ça va faire cloche aussi ? Ce serait con. Ici, il faut quoi ? 9 ou 9 ? Ok, 9 degrés, c'est jouable. Et là... Ah. Il n'y en a aucun qui fait du scale. Hein. Peut-être... Non, il n'y en a aucun qui fait du scale. Ah, pas simple, ça. Pas simple, pas simple. Allez, il va faire nuit. Faut qu'on en termine avec Pépère, là. Non, il va partir. Hop. Et du coup, on ouvre ici. On continue de monter dans cette sympathique petite tour. Est-ce qu'on va vouloir garder ça pour la nuit ? Ça, c'est pas de type Earth. Donc, je suis pas convaincu. Enfin, après, ça coûte rien, hein, mais... Et salut Falsag, bienvenue sur le live. Et d'ailleurs, on est à quelle saison bientôt après ? Après, on est à printemps. Là, on est à winter, donc on est à printemps. Et du coup, on devrait bientôt avoir notre salaire, d'ailleurs. Oui, mais du coup, ça veut dire qu'il y aura bientôt aussi la saison qui fait disparaître les persil de plantes. Ouais, il y aura bientôt la saison. Elle arrive toutes les 9 saisons. Donc, ouais, il y a bien moyen que ça fasse 2 ans qu'on joue, donc elle devrait arriver. Mais normalement, elle est censée être indiquée. Je vais récupérer ton retard, es-tu heureux ? Eh ben écoute, à tout de suite alors, Falsag. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Une box of rarity. Qu'à ouvrir encore ? Encore un truc à ouvrir, eh ben écoute. Une boîte dans une boîte ! Une boîte dans une boîte, exactement. Un colis dans un colis. Bon bah... On va pouvoir passer la journée. Demain, on essaie de se faire ça. Parce que tu vois, moi je trouve que la saison, elle ressemble beaucoup à celle d'après. Peut-être, on va voir.
On va voir. Après, en vrai, la Numa, elle arrive. C'est pas qu'elle arrive toutes les 9 saisons. C'est qu'elle arrive à un moment dans les 9 saisons, en fait. C'est-à-dire qu'il faut voir les saisons comme un paquet de 9 cartes. Et il tire la Numa à un moment dans les 9. Et elle dure une journée. Intéressant. Alors, oui, si, du coup, j'avais mis pause parce que je voulais regarder. Là, on a ouvert. Y a du quiche. Visiblement, ça va vers des cloches. Il va y avoir un sympathique mécanisme. Alors, on a un outil de type Earth. Ok, un autre outil de type Earth. Il y a du thé. Ça s'appelle une serpillière. Oui, merci. Ça s'appelle une serpillière. Merci, Chobiti. Et on a 3 livres. C'est un petit lapsin de chouchon qu'on vient de commander. Par écoute. On commence à être un petit peu en galère de place. Là. Il va falloir qu'on catalogue un peu. Ça y est, il n'y a plus de place. Coller un peu plus là. Bah on va peut-être cataloguer un peu aujourd'hui. Alors déjà ça, du rose. Rose, on a quoi en rose? On a Field qui est à 3, c'est pas mal pour un 6. Si on a un skill à 3, c'est fini. Voilà, parfait. Alors il nous faut un bureau de type rose par contre. Et hop, voilà. Un petit. Et c'est marrant, t'as eu une fleeting Oui, réminiscence. toujours. Tous les souvenirs, ils disparaissent comme ça. Ah bah, je t'avais jamais dû faire pause dessus. Du coup, si on voulait faire cette leçon, histoire qu'elle traîne pas trop, on est level 1, donc il va nous falloir 3 souvenirs de type Moon ou Edge. C'est faisable. C'est carrément faisable, ouais. J'ai encore raté. Toi, tu viens comme ça et après je te range. Il y a Fear qui fait du air. Ouais, il y a Fear qui fait du edge. D'autres. Regarde. Là, il y a un moon. Pas mal, c'est un moon. On va utiliser ça. Un Fear, du coup. On va utiliser notre twist de base. Nous en fait deux. C'est pas lequel t'as pris à confounding parabole. Et là, il y a Savagim. Non, c'est pas bon. Savagim, c'est Scale et Sky. Oui, non, c'est Edge qu'il faut. Bah t'as Confounding Parable, il y a Moon. Ouais, Moon. C'est bien Moon. Hop là. Et on va mettre un petit Faustalis. Il faut faire comme les loups, il faut crier à la lune. Non, il faut pas crier à la lune. Oh, c'est nul. Ici, on peut peut-être avoir un petit RTA8. Est-ce qu'on avait dû utiliser le souvenir du temps? Je suis pas sûr. Je sais plus. Bon, l'objectif est cataloguer les livres. Nous allons donc cataloguer les livres. On a trop. J'en ai trop. Tu vas encore ouvrir des salles et après tu vas pas pouvoir les lire. Alors, ici. On va mettre. Alors, attention. Là, on nous faut du Moon et du Edge. Donc, il faut qu'on garde au moins deux de ces quatre-là. On va mettre un short. Cataloguer ce livre-là. Et ici. Mais moi, je pensais ouvrir le colis, tu vois. Mais si tu veux cataloguer, cataloguons. Hein. Et de la thune! Aïe aïe aïe. Allez, parti. Ça c'est quoi? Ouais, c'est bon. En avant. Une petite journée lecture. Et on a un fog. Oh. Pas mal. Il est pas mal, ouais.
Il est pas mal du tout. Parce qu'il y a des trucs intéressants. 9 de lanterne. Il a combien de lanternes, Coco, là? Il y a un de Knog, deux de lanterne. Mais on fait pas de lanterne avec le feu. Non, mais si je peux le réussir avec une lanterne, je n'ai pas d'intérêt de le faire. Ah. Mais si tu Là. dis tout, comment je fais moi pour savoir? Bah, je sais pas, ça fait 30 heures ou 32 heures que je fais des vidéos dessus. Ah non, t'as pas tout tourné en vidéo. J'ai pas tout tourné en vidéo, c'est vrai. Ici, non. Ici, non. Ici non plus, donc il y aurait éventuellement pas là, il y aurait là. Mais on peut le faire avec du Hert, qui nous coûte rien du coup, alors que lui il faut un shilling. Donc non, c'est pas si intéressant dans le contexte. Oh, pourra le garder pour demain. Oui, on pourra le garder, ouais. Il est quand même fort, mais pour le moment c'est pas une nécessité. Alors qu'est-ce qui se passe? Ok, la paye arrive. Et on a quelqu'un qui veut venir nous voir. Cool. Oh, ils nous ont filé un Iron Sprintia aussi. C'est cool. Voilà. Du coup, ça nous fait 3 en tout. On va pas aller loin avec ça, hein. Laissez-moi vous le dire, on va pas aller loin avec ça. Alors. Ça du coup, 14 en scale. Un peu chaud 14 en scale. Hein. Et 12 en rose, c'est un peu chaud aussi. Ils sont pas contaminés. Ça c'est du Ink of Power, ça nous intéresse. Et ça c'est du Horn and Ivory, ça nous intéresse moins. Oh, ils sont pas contaminés, donc on va les ranger. Et on a dit, il nous faut garder les deux moons. Pour le reste, on peut continuer de cataloguer si on veut. On va cataloguer. Hop. Avec non, on a dit on garde les deux moons, donc avec tout sauf ça, du coup. Voilà. Et ici on peut mettre quoi? Ça, c'est parti. Normalement, le temps que ça finisse, on devrait avoir nos souvenirs. Hein. Chubitis, ce que je te propose, c'est qu'on arrête là l'épisode de VOD. Au revoir, la VOD! J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup à tous ceux qui suivent, à ceux qui commentent sur la VOD, ça fait bien plaisir. Hein. Live est un peu calme, en même temps je le fais à une heure qui change un peu, donc il y a un peu moins de monde. J'espère que ça vous a plu et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde!